Et salut à tous, comme vous avez pu le voir, cette fois-ci, on se penche sur Resident Evil. Donc, j'ai fait les fonds de tiroir. Un jeu qui est sorti en 96. Une référence dans le jeu du Survival Horror, en tout cas à l'époque des vieux jeux, des premiers sur PlayStation. On est parti. Alpha team is flying around the forest zone situated in northwest Raccoon City, where we're searching for the helicopter of our compatriots Bravo team, who disappeared during the middle Chris, of our mission. No, I haven't found it yet. Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City. There are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people. Victims were apparently eaten. Bravo team went to the hideout of the group and disappeared. Look, Chris! It was Bravo team's helicopter. Nobody was in it. But strangely, most of the equipment was still there. However, we soon discovered why. Three STARS members left now. Captain Wesker, Jill, and myself. We don't know where Barry is. Chris Redfield. Jill Valentine. Kitsch tumeur. Barry Burton. Rebecca Chambers. Albert Wesker. Resident Evil. Aïe aïe aïe, plus kitsch, tu meurs quand même, hein. Bon, je vais vous remettre ma tête. Ce jeu d'acteur était quand même au poil. Moi, je... Surtout le mec qui faisait Chris. Franchement, je te la faisais. Il faisait bien les têtes qu'il fallait faire. Genre... Limite, il avait pas un chewing-gum dans la bouche. What is that? I'll go and check. Okay, Jill and I will stay in the hall in case of an emergency. Chris, take care. Voilà, ce qui a fait qu'on reconnaît Resident Evil entre mille, c'est
les chargements de, des portes, justement. Ça, c'est caractéristique des Resident Evil. Ce fameux petit temps de chargement entre deux pièces où t'as juste l'ouverture de la porte comme ça. Bien stressant. Alors, ok, start. Que je me refamiliarise bien avec les touches. On va pas le prendre pour le moment parce que je sais pas encore ce que je dois en faire. Je me rappelle qu'on est vite à court de place hein, dans ce jeu. Vous avez vu que dans mon inventaire que j'ai 6 emplacements libres. J'ai même pas d'armes en plus, putain, je suis con. Merde, putain. On peut pas faire un mytho rapide déjà dans le jeu. Oh la vache. Ok, bon, je vais retourner voir mes copains. La fameuse scène. La scène la plus connue de Resident Evil qu'on vient de voir. Qu'on retrouve dans The Evil Within. Auquel j'ai joué, qui a été fait par le créateur des Resident Evil. Scène qu'on retrouve au début du jeu, pareil, dans The Evil Within, c'est pas vraiment des zombies, mais bon, c'est des zombies, on va pas tortiller du cul pour chier droit. Le premier zombie qu'on croise, c'est vraiment, il y a une petite scène aussi, et c'est vraiment pareil que celle-là, quoi. On arrive par derrière, on le voit en train de pencher sur un cadavre, tout ça. Il tourne sa tête comme ça vers nous. Et c'était clairement un clin d'œil par rapport à cette fameuse scène qui a fait le succès du premier Resident Evil. Le Beretta qui va bien nous aider. On va aller voir par là ce qui se passe. Ok, épée gravée. Alors, le premier Resident Evil, si je me souviens bien, mais oui je l'ai même, qui avait été refait sur GameCube et qui avait été bien refait même, je trouve. J'ai hésité à faire le let's play sur la version GameCube, qui est certes plus jolie, mais dans le cadre des fonds de tiroir, je me suis dit que c'était quand même mieux de le faire... en mode old school, les fameux rubans. Ah oui, c'est fermé. Les fameux rubans pour sauvegarder que je viens de récupérer. Mou du bulbe hein, quand même. Il est costaud Chris mais... Bon, je pense qu'il faut qu'on aille revoir notre copain là-bas. On va aller lui faire sa fête.
Dans mes souvenirs, dans la version GameCube, ils avaient rajouté des pièces et il me semble qu'on pouvait... qu'il y avait une... Non. Ouf. Qu'il y avait une autre pièce par là, genre je pense qu'ils avaient agrandi, je pense qu'ils avaient agrandi le manoir par rapport à cette version là. Et... Il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas non plus le fait qu'on ne puisse pas viser, qu'on ne puisse pas viser et marcher en même temps. Il y a beaucoup de gens qui ont été rebutés par les Resident Evil, notamment à cause de ça. Et à juste titre, hein, je peux comprendre cette réaction, parce que c'est vrai que en soi c'est débile, ne plus pouvoir marcher juste parce qu'on vise, c'est pas logique. Mais je trouve que c'est ce qui faisait le fait, ça jouait sur la peur quand on jouait, et là quand je joue, c'est le stress de se dire faut que je sois bien placé parce que sinon quand je tire je bouge pas et puis je vais me faire attraper quoi. Alors par là c'était fermé partout. On va essayer d'aller à l'étage. Ouais, je vais juste recharger un coup parce que si jamais on tombe sur quelqu'un, ça va pas le faire. Tout se joue sur l'ambiance, hein. Même les escaliers. Ils ont enlevé ça d'ailleurs dans la version GameCube. Je me rappelle pas de ça. Ils ont gardé les portes, les cinématiques avec les portes qui s'ouvrent. Mais pour les escaliers, je crois qu'ils ont enlevé. J'ai un doute, je suis plus très sûr. Ok, un petit copain par là. On peut aller là. Non, c'est fermé. On va essayer de les esquiver le plus possible. Parce qu'on n'a pas beaucoup de balles. Alors, on va graver. Ok. Non. Ok. On a échoué sur celui-là. Comme vous le savez sûrement, il existe de nombreuses plantes ayant des vertus médicinales. Depuis les temps anciens, l'homme a utilisé nombre de plantes pour soigner les blessures et traiter les maladies. Dans cet ouvrage, nous allons prélever trois herbes qui poussent dans la région des montagnes de Raccoon et nous allons les prendre comme exemple pour illustrer ce que sont les plantes médicinales. Chaque herbe a une couleur différente et un effet particulier sur la santé. La verte permet de récupérer la force physique, la bleue neutralise les toxines naturelles alors que la rouge n'a aucune propriété en soi. L'herbe rouge n'a de vertu que si elle est mélangée à une autre des deux herbes. Par exemple, si vous mélangez cette herbe avec la verte, votre force physique sera multipliée par 3. En variant les dosages et en multipliant les expériences, vous arriverez à créer une gamme de remèdes, mais je vous laisse les découvrir par vous-même, car c'est le meilleur moyen d'acquérir la vraie connaissance. Les fameux mélanges d'herbes pour regagner de la vie. Donc la verte, ça guérit, la rouge mélangée à la verte, ça décuple la guérison de l'herbe verte. Et l'herbe bleue, c'est ça si je me souviens bien, qui guérit les maladies. Le poison, entre autres. Vous l'avez déverrouillé, on y va. Drôle de délire d'ailleurs, les herbes pour se guérir. Donc ça a rien à voir avec un jeu d'horreur, mais... Ça... Non. Oh, il m'a vomi dessus. Oh non. Oh, dégueulasse.
Je vais charger mon flingue à fond et je vais laisser le chargeur dans la malle. Mince. Tout simplement. Ah ! Désolé, j'ai du mal avec les touches. On peut pas cumuler les chargeurs sur le même. Oh, c'est particulier ça. Hein, on va garder l'herbe, on va sauvegarder. On va récupérer ça. Je ne sais pas ce que c'est. Du produit chimique. D'accord. Ah non, merde. Faut que je vais remettre le ruban encreur dans la malle parce que ça me prend une place pour rien. Ça sera beaucoup mieux. Les fameuses malles magiques qui ont toujours la même chose dedans, peu importe dans quelle pièce t'es. Par là, je vais devoir remonter avec les deux zigotos. Lâche-moi. Ok, je voulais déverrouiller ça. Je vais essayer de refaire le tour. Peut-être comme ça, je pourrais au moins en esquiver un. Donc voilà, je vais repasser par là. J'ai tendance à être super économe dans les Resident Evil avec mes munitions parce que je sais que ça part très vite dans les moments d'urgence. Voilà, donc lui c'est bon, lui il a raté son coup, c'est parfait. Non. Là, si je tombe sur une pièce fermée au bout, je serais bien dégoûté. Ah, zut. Laisse-moi toi. Ok, merci. Oh non, j'ai rien à faire là. Je sais pas où je dois aller alors maintenant. Je vais retourner dans le hall, il doit y avoir d'autres pièces. Ah. Décidément, il chope direct. Hein. Qui va. Non, faut que je passe par là. Du coup, je vais faire le. Non! Oh non! Oh putain! Et il est vraiment costaud, Chris, parce que ça fait quoi? 4 fois que je me fais mordre déjà? Et il montre toujours pas de signe de faiblesse. Hein. Ah si, non, en fait, c'est juste que ça se voit pas dans les vieux. Ok, d'accord. Oui, je veux mélanger et je veux utiliser. Merci. Ah, c'est juste que ça se voit pas dans les vieux en fait. Dans les vieux, ils commencent à se tenir, à se pencher quand ils sont mal. Là, lui, il montre rien du tout. Il est pas mort. Voilà, c'est ce que je disais. Non. Oh putain.
c'est à ça qu'on reconnaît si un zombie est mort, c'est s'il y a une tache de sang qui apparaît à la fin. Voilà, lui il est bien mort. Ah, je suis un peu parti tout nu, hein. J'ai peut-être pas dû faire ça. Ah oh, non, il m'a chopé. Je suis un peu parti tout nu. J'aurais dû garder peut-être un chargeur de plus. Les petites clés dans mes souvenirs, ça permet d'ouvrir les portes qu'on ouvre uniquement avec les petites clés, donc ça c'est logique, mais il y en a plusieurs en fait. C'est-à-dire qu'il faut, il faut bien choisir. Si tu as le choix entre deux portes fermées avec une petite clé et que tu n'en as qu'une, il faut bien choisir son coup. Oh putain. Je vais me faire attaquer aussi. Ah putain, non. Il a rien d'autre sur lui. Non. Bon, on se casse. Salut les piafs. Ouf. Bonsoir, ils sont pas si vilains. Ils sont pas si vilains. Ok. Donc par là, j'ai que ça. Je me souviens sur GameCube, ils ont mis un jardin derrière aussi, accessible juste derrière l'escalier dans le hall. Alors ça, bon, bah ça je le fais direct parce que je me souviens ce que ça fait. Ok. Tu vas être définitivement chiant. Oh putain, je suis vraiment nul. J'ai du mal avec les la maniabilité. Du coup lui il a eu le temps d'arriver. Eh, ça fait deux fois qu'il est à terre lui. Ok, bon lui il est mort. Lui je pense qu'il a son compte aussi. Voilà. Et là. Ok, ça c'est fait. Voilà. Comme je disais tout à l'heure, important d'être économe parce que ça part très vite. J'ai vidé un chargeur en 30 secondes. Sale ambiance. J'aimerais pas avoir la même tapisserie chez moi. Oh, y a trop de monde. Voilà, ça y est, j'ai plus de balles. Putain. Ah, y a pas d'autres pièces en plus. Est-ce que je vais arriver à l'esquiver? Déjà, un, c'était compliqué. Yes! Je suis trop fort. Il m'a donné dessus, il a raté. Ok. Bon, je pense que j'aurais pas pu gérer mieux pour passer là. Alors, est-ce que je descends tout de suite? Attends, je vais aller voir ce qu'il y a par là d'abord. C'est fermé. Casque. Il me la faut cette fameuse clé casque. Hein. Alors, là, il faut un code que je n'ai pas. Oh, c'est stressant. Ouh.
sorry. I didn't mean to do that. You must be from the Bravo team. Yes, I'm Rebecca. Rebecca Chambers. I'm a newcomer. I just joined the Stars Bravo team last month. Well, I'm really sorry. Are you all right? Yes. I'm Chris Redfield from the Alpha team. Yes. Are you the only person here from the Bravo team? Well, because the helicopter made a forced landing, I just ran into this house anyway, but I see. There's nothing else you could have done anyway. It's good you're here. Yes, sir. But it's strange. I serviced the helicopter recently, but something went wrong with the engine. It was such a short flight. Alors, de nouveau une salle de sauvegarde. Mais il y a un truc qui brille là-bas, je rêve pas. Une clé. Est-ce que c'est la clé casque dont j'ai besoin pour tant de trucs? Vérifier. Ah non, c'est la clé épée. Ok. Ça marche. On va récupérer. On va récupérer des munitions. Je vais même prendre celui à 9. Voilà. On va mettre ça pour l'instant là-dedans parce que je sais pas si je vais en avoir besoin tout de suite. Je vais garder la clé pour explorer un petit peu, ça sera mieux. Je vais même garder les deux. Et je vais prendre un ruban. Est-ce qu'elle a encore quelque chose à me dire? I wonder if everybody is... Ok. Et on va pouvoir sauvegarder. Voilà, alors je vais m'arrêter là pour la première partie. N'hésitez pas à vous abonner pour la suite. Et puis, portez-vous bien.